Journal, la situation pas trop bon. Ailleurs, lundi à la non, troisième circonscription Port-au-Prince, précisément dans zone Matissan. Un bien affrontement à Krapoussi entre nègres Tibouak Gravine jusqu'à hier lundi 21 juin 2021. Dans troisième circonscription Port-au-Prince, notamment dans Matissan. Un bien comme résultat, nous apprenons pour Pépiti gagner trois mondes qui t'a a perdu la vie. Sans côté plaisir l'autre qui eux-mêmes soit blessé. Gué plaisir entreprise commerciale qui dépôt côté même si on mettait difficile là dans yo et yo fait ça capillage là dans tout situation ça mon Matissan a connu son véritable calvaire d'après ça même yo dit côté ça gain pral environ 3 à 4 semaines depuis nek exam nan Tibouak Grand Ravine a troqué konyo et ça qui mettait moun ka fréquenté rentré sud capitale là moun ka vive nan 3e circonscription Port-au-Prince précisément dans zone Matissan Fontamara premier jour 5e avenue Bordeaux, zone théâtre national, lui-même dans une situation très difficile. Mon cap sorti. Non, car commune Caf ou bien dans sud pays pas capable rentrer dans le département de l'Ouest pays et même mon cap sorti dans le département de l'Ouest pays pas capable traverser pour aller Caf ou bien dans grand sud là nouvelle journée tension ça j'en dis à la cause pour petit cap monde perdit la vie 3-4 monde perdit la vie selon l'élément information parce que nous connaît des monde qui est situation lui-même c'est dans l'après-midi parce que tout hier environ 4-5 heures avant gros la pli a été gros coup de balle qui t'a chanté dans zone Matissan 23 Matissan en 25 jusqu'à 5 heures après-midi et nous gécoul à boîte nous ici à Edel Espérance qui lui-même sauvé des justesses en babal bandit côté nèg yo té attaqué véhicule que té sous l'IA et gen pile l'autre monde tout qui eux-mêmes trouvé une situation très difficile pour traverser exactement zone Matissan zone 3e nan côté bataille ça déclenché depuis plusieurs semaines entre nèg Tibouak Grand Ravine mélangé avec nèg village de Dieu j'en t'ai dit en là gen association industrie d'Haïti a dit qui je mettais en note sympathie d'ailleurs côté a dit d'il conscient que li pa gen mot vraiment pour ta capable voyer bay quantité dégâts que bataille qui ou l'ouvrir là entre plusieurs groupes armés soit dans troisième nan ou bien dans zone Badelma côté ensemble des événements actes violents cap enregistré dans zone ça depuis semaine passée et côté en pile l'entreprise ça a subi ça pillage surtout marché Titoni que nous connaît PDG Lekissé Anthony Bennett nous changer vendredi passé à la côté n'était attaqué et business ça et en pile monde t'est fait ça relé c'est un pillage dans entreprise ça mais association industrie d'Haïti a dit que il demandait avec autorité concernée pour capable qu'en responsabilité là pour permettre que mes zones soient capables gain ça relé la paix et pour empêcher que ben entreprise monde ça aussi prendre victime c'est vrai. Il conscient que l'État semble paraître impuissant, mais si l'État pas impuissant et qui ca citoyen yo, et qui ca yo même comme homme d'affaires qui a investi en d'un pays ça côté que a dit fait qu'on est l'État c'est lui qui gagne responsabilité ça c'est lui qui monopole violence légitime non pour au capable qu'en toute disposition pour permettre la paix tourner dans zone ça yo. Association industrie d'Haïti a dit encore fait un appel avec tout membre grande famille haïtienne non pour capable faire preuve solidarité envers victimes yo côté pour capable garder comment tout yo même tout c'est vrai pendant la victime ensemble de zak pillage mais pour faire solidarité avec les peuple haïtien surtout monde qui a victime série et zak sayo en bas mais bandits dans diverses zones côté une société là yo voilà c'est ça nous capable dit dans notre sympathie association industrie d'Haïti a dit mettez dehors notre sympathie si là et n'avancer toujours avec information Jean René Sévère nous pour aller ensemble avec réaction qui passe suspend tomber à cause situation ça qui gagne normatissant gagne mouvement Haïti cap qui exprimait tête chargée devant situation sécurité généralisée dans le pays qui pas épadé aucun quartier résidentiel. Porte-parole Macla croit c'est incompétence mélangée à complicité régime tête caléa qui mettait pays dans situation ça. Delson Sius critiqué pays amis Haïti qui d'après lui fait manger sous situation humanitaire sa cap passé en Haïti et celle d'yon levé campé bon côté société civile là dans le pays qui a résoudre le problème ça après départ président Jovenel Moïse en côté déclaration Delson Sius. Jean-Philippe Masséa. En fait, le mouvement Haïti Campé manifesté et préoccupation et même très inquiété par rapport avec montée grandissante de phénomène d'insécurité. Et on dit son insécurité qui était toujours là, en de pays. Mais dans le dernier moment, le niveau insécurité a monté à un niveau tel côté que nous observons par rapport avec un document cadre sorti. Nous avons plusieurs milliers d'Haïtiens
qui t'a vivre Fontamara, Matissan et Nancy de l'autre quartier encore, suite avec des attaques bandits, entre bandits des zones, et moun sa obligé quitter la caillou pour aller habiter sur place publique, et des montou qui obligé quitter la caillou pour aller habiter dans la rue, encore la caillou proche. Donc par rapport avec ça, nous pensons que Haïti, comme étant un pays qui signe un ensemble de protocoles d'accord, un ensemble de traités relatifs avec question droit moun, nous pensons que c'est vraiment inacceptable dans un pays côté que l'État n'a pas même offri population service sociaux de base, ça veut dire son population qui était déjà aux abois, les nous considérer jeudi à par rapport avec dernier chiffre nous avons avancé vers plus de 4 millions de monde qui vivent dans la pauvreté extrême et bien plus passé 8 millions de monde dans le pays qui vivent et dans la pauvreté sur une population entre 11 à 12 millions, ça veut dire son situation qui vient envelimer ou encore et qui vient et plus détériorer conditions de vie population. Donc là gain tout monde ça yo et j'en me saute dire taler qui t'a vu aux abois déjà, vinn jwenn avec un niveau insécurité, garder qui ça cap passer bel air, c'est un quartier défavorisé dans dernier moment nous est que pas gain la vie, ça cap passer Badelma, ça cap passer Fontamara, ça cap passer Matissan, ça cap passer Cité Soleil, garder ça cap passer la boule et jodi à niveau insécurité a et au vinn pas une zone nous ta carré des quartiers résidentiels encore. Ça qui a passé la boule, regardez ça qui passait sous le frère là, ça veut dire nous-mêmes au niveau du mouvement Haïti Campé, nous pensons que je dis à paysans mi Haïti, yo pas vraiment et sensibilisé encore, yo pas vraiment intéressé avec crise, nous t'a dit humanitaire, ça qui a passé en deux pays, nous pensons que c'est vraiment inquiétant et c'est ça qui fait, nous pensons que je dis à la nécessité pour que toute force vive nation mette ensemble. Pour que nous disions non, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une situation pareille parce que le pays a presque explosé, si que par mon bagage qui. 6 heures. D'un autre côté, mouvement Haïti Campé, vous voyez, j'étais bien loin demande de président Jovenel Moïse faire bon côté communauté internationale là pour capable de résoudre l'insécurité. Pour devoir estricter ça, Delson Sius a rappelé, mission internationale n'a pas jamais porté aucune solution durable pour le pays. Hein. Delson Sius croit c'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui pour mettre maintenant là pour capable résoudre le problème insécurité surtout autorité concernée. D'un autre côté, Delson Sius a toujours dans le micro-collaborateur, nous Jean-Philippe Massé. Pensez que, et en termes de légitimité, son président impopulaire, nous considère quantité de manifestations, quantité de mouvements qui fait en d'un pays à pour dénoncer et manque de résultats Jovenel Moïse avant 2021. Nous pensons que Salman Déa est comme un citoyen ordinaire, et de fait, c'est lui-même qui est sous pouvoir, nous est là, puisque toute population, hein, classe politique au niveau de l'opposition, ils ont fait tout ça au capable pour que vous arriviez à débarrasser le pays, mais malheureusement, c'est lui qui l'a. Et nous pensons que je dis, par rapport avec sa cap dessinée, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, et surtout au niveau de l'opposition politique, ils ont manifesté volonté et ils ont une capacité pour proposer une solution avec la crise. Donc, demander communauté internationale là, support, moi, penser que, encore une fois, c'est cracher sous dignité peuple là, c'est cracher sous histoire nous comme peuple, c'est cracher tout sous ça nous représenter et au niveau mondial, parce que Haïti, c'est, nous t'a dit, le premier pays noir dans zone nan, qui coupé fâché avec un modèle de domination coloniale esclavagiste. Donc nous d'accord que jodi a nous pas qu'à évoluer en vase clos, nous d'accord que Haïti c'est membre fondateur de l'ONU, de l'OEA et donc ensemble d'organismes internationaux, mais c'est pas en raison tout si que face à une crise côté que le président de facto Jovenel Moïse il c'est un élément déclencheur dans telle crise. Donc si vous c'est un élément déclencheur dans telle crise ou pas qu'à c'est au cap mandé communauté internationale et support d'autres en plus gain des acteurs j'aime se dire tout à l'heure qui baille tête aux missions qui a réfléchi sur crise haïtienne non et il y a l'université, il y a les acteurs de l'opposition politique et les acteurs de la société civile qui ont même yo prend position et me penser yo connaît jodi a par rapport avec ça n'a fait face là comment nous capable arriver adresser et jodi a pas gain aucune solution durable qui possible face avec crise multidimensionnelle ça que nous même au niveau de l'entente nationale nous toujours dire au niveau de mouvement Haïti Campé pas gros solution durable qui possible si que justement nous pas commencer fait
respecter la loi. Parce que je dis à crise sociale, crise politique, crise économique, ça lié justement avec une faillite au niveau de l'État, lié avec un manque de leadership au niveau de l'État, et lié avec un problème de compétence, un problème de volonté qui pas de jambes là pour te aborder crise là. Nous pensons que M. Jovenel Moïse, comme citoyen qui passait dans tête pays comme président, peut-être justement li non situation de fait, lié que lui. Il n'est pas capable de porter des réponses. Maintenant, il a fait appel avec la communauté internationale. Nous ne pensons pas que ça va nous trop de résultats dans la mesure où ingérence au niveau pays, même généralement, lorsque ça arrive, nous avons des résultats au banon. Haïti font pas quelle expérience avec des interventions au niveau de l'ONU, mais qui résultat. Voilà, ça c'est déclaration d'Elson Sius, les mêmes qui c'est une responsable mouvement Haïti campé n'a toujours vérité dans même dossier ça côté gagné Sandrelé yon rencontre qui organisé entre premier ministre avec l'autre membre dans gouvernement et sous situation en cap développé dans Matissan puis l'autre secteur représentant l'autre secteur dans la ville nationale là Primature République t'a informé dans communiqué dans date qui était lundi 21 juin 2021 gagné rencontre qui réalisé entre premier ministre AIA docteur Claude Joseph Aker représentant et ensemble du secteur qui concerne les situations ben mounyo a vivre en dapia surtout déplacé dans zone Matissan côté nous connaît jodi a plus passer 2 à 3 000 moun obligé à prendre refuge soit dans centre sportif Carrefour ou bien l'autre côté à cause que nek armé Tibois Gravine village de Kaboukate Koudzam et qui cause que moun sa 3 semaines a une situation très difficile. Il s'agit pour chef gouvernement pour un petit bout de temps coordonner prise en charge avec accompagnement que Yo pa ba compatriote New York conformément avec instruction président République la Jovenel Moïse même il était fait dimanche là les sorties dans pays Turquie côté il t'a présenté bien un voyage li il t'a parlé sur question sécurité a côté il demandait avec premier ministre tout membre gouvernement pour capable prendre disposition pour capable accompagner en bien ensemble de déplacer ça yo surtout moun qui même dans Matissan même sur Jean Dédia là pendant retour président officiel et tout président voyage officiel qui était fait dans pays Turquie dans cadre forum sous diplomatie Antalya président qui demandait avec chef gouvernement pour le pencher sur en urgence sous question plusieurs milliers de monde qui eux-mêmes cap victimes de violence gang armée dans Matissan notamment cap réfugiés dans soit commune Carrefour ou bien dans l'autre département. Le président Jovenel Moïse les mandat avec le premier ministre Claude Joseph pour le réunir avec un ministre affaires sociales pour capable porter support en urgence avec monde ça ou déplacer ça yo chef l'état qui est ben garanti que monde qui déplacer yo la police l'état prend toute disposition pour capable à compagnie yo c'est ça nous capable li eh bien non note si là que Primature informé que premier ministre Claude Joseph li décidé réaliser sans délai un compte pressé avec un ensemble de représentants différents secteurs dans ville nationale pour garder comment capable porter support avec moun qui déplacé yo dans différentes côtés communes avec situation qui a développé dans niveau au Badel dans niveau Matissan que Fontamara mais n'a dit tout par rapport avec situation ça gagne un secteur démocratique Katka populaire qui lui-même est sorti yon note de York qui dit que mes situations cap développé dans niveau dans niveau Matissan dans troisième là mais il est clair que faut autorité concernée yo prend responsabilité yo pour capable porter une solution avec problème si là il croit que pendant 10 ans régime PHTK c'est mettez en plus tout toujours et insécurité a une qui gazam nan mo vin pi mal et cap commettre action sur ça peut-être ça encore secteur démocratique fait qu'on est yo même dans souci pour toujours été bon côté peuple haïtien il y a continué bataille et il a continué tout dénoncer même condamner toute situation qui a développé dans niveau Matissan quartier défavorisé au côté moun a connu des situations très difficiles dans Bamenek armé cap faire monter le ciel pardon. Dossier assassinat, c'est bâtonnier Monfigure Dorval, secrétaire Barou, avocat Port-au-Prince, dénoncé décision service logistique PNH après pour capable retirer ZAM, quitter nommé policier capable assurer sécurité. Juge Renaud Gilles Capensuit, dossier assassinat, c'est bâtonnier Monfigure Dorval pour mettre Robinson Pierre-Louis, décision ça montre à claire autorité compétente et pas de volonté pour mettre en bas à tout le monde qui complice dans ZAC, si là, et puis si on fait son tour pour forcer, juge l'a abandonné dossier A. Dans sens ça, homme de loi, mandat autorité policière pour retourner sous décision ça. Un côté déclaration, maître Robinson Pierre-Louis, dans le micro Blaise Peterson. Un gros doute qui peut être inquiétude quant à suivi de ces maîtres de loi-là.
c'est une décision qui va être très mal. Les non considérés que l'importance de ce sage pour nous et responsabilité juge là, le travail ça. Donc, on juge instruction, c'est un juge qui doit en permanence sous protection. Et que voilà que je dis à, on juge la dégâts responsabilité pour lui, mais les dossiers là. Et que non seulement tous les problèmes ils viennent déjà au niveau CFPJ et d'autres autorités, pour le travail, les développements des moyens logistiques pour le faire, et que on va aller jusqu'à présent, et que celle policière de gain qui était attachée avec la base de sécurité, qui peut le passer, voilà, avec lui. Et que je dis là, dame qui était dans le Mélongali AC21, ils ont décidé de prendre, et ça donne là, ils ont pris les vieux de balais. Ça a montré que donc volonté pour des années là, pour ne pas gagner sécurité, pour ne pas être inconfortable, et qu'à décourager le tour, et qu'il ne peut pas continuer dans le dossier. Mais qui ça comme explication valable que l'autorité policière obéit sous ça? Bon, bah, regain, jusqu'à présent, une explication valable, c'est seulement des décisions de plan pour y entrer tout, je vais dire ça, et je pense qu'on a quitté sorti, déjà, c'est un achat, c'est dit, tout bien, la police, qui a rentré. Pour qu'on y a là, information fait que M. Remet Zamna avec une direction logistique, la PNH, là. Oui, bon, formellement, non seulement les juges là, écrit, les différents, pas de problème, nous les mettons Zamna, mais en même temps, tout, les écrits et PSPJ, pour le dire PSPJ, c'est les pagaises à mon corps. Voilà, en garde, non. Est-ce qu'en termes de l'autre matériel que nous connaissons, juste que nous enregistrons même tes deux joints, soit pour côté CSPJ, est-ce qu'elle t'est fini par Junio et Maître Robinson via lui? À part une classe mais métallique et une machine photocopieuse qui est dans le bureau là, il n'y a pas Junio encore. Une autre bon, Maître Robinson Pierre-Louis critiqué commissaire gouvernement Port-au-Prince, il dit qu'il n'a pas décidé de faire suivi avec ordonnance juge instructeur dans l'idée pour capable battre des diverses personnalités dans le cadre de dossier ça, surtout dossier assassinat Maître Montferry d'Orvalan, ancien bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince, tant que première dame Martine Moïse, ancien premier ministre Joseph Jout, une décision qui vient ralentir plus dossier ça parce que juge l'a obligé de camper sous audition d'après Maître Pierre-Louis qui continue croire ancien bâtonnier à une justice quand même. En côté, on l'autre fois mettre Robinson Pierre, lui, toujours dans le micro, Radio Méga. Moi-même, personnellement, de 31, j'ai été au bureau du juge qui m'a questionné, moi, entendez moi, d'après moi, déposé, moi, ça me déconne, ça me détendait. Ok? 31, même bataille avec ordonnance, parce que je n'ai jamais reçu l'ordonnance jusqu'à date. Pour ne pas avoir la base, j'aime recevoir l'ordonnance, je suis sûr. Citation pour le gouvernement, donc il va dire. Et deuxième question, aspect, la question là, c'est que l'autre monde qui est réuni, il y a l'autre monde qui a une volonté pour le réunir, mais il n'y a pas jamais recevoir ordonnance. Il y a là-dedans, au mal de recevoir ordonnance, qui fait tentative pour le réunir, mais le fait que l'obstruction soit arrivée dans le dossier, on le juge instructeur, quand il fait, quand il a son ordonnance, et demande au commissaire du gouvernement de faire venir les témoins. Donc c'est à charge du commissaire du gouvernement de citer les témoins. Et il ne l'a pas fait, il n'a pas voulu faire non plus, il a refusé de faire tout simplement. Eh bien, jugeant lui-même, les ce soir, sur audition, parce que légalement, c'est ça que vous faites. On lui-même n'y parle pas d'entrer dans l'illégalité. Donc, le commissaire du gouvernement décide de parler. Donc, Mounio tout. Il n'y a pas aucune motivation pour venir. Le fait qu'il va recevoir ordonnation et citation, ça montre qu'il n'y a pas qu'à venir. Il a décidé de ne pas venir tout. Mais en réalité, le fait qu'il va venir tout et il n'y a pas exécuté ordonnance, immédiatement, comme c'est le gouvernement, pas exécuté ordonnance de l'instruction, c'est une solidarité.
N'a toujours été dans le cadre de réaction sur la décision PNH après pour capable retirer les armes policiers qui t'a sécurisé. Juge Renaud Gis, président de l'Association nationale magistrat haïtien, Jean-William Moïse qui qualifie menace décision. Si là, président Anamadi Mezi ça mal prend un moment. Il profite critiquer CSPG tout. Il dit qu'il n'y a pas jamais bah, juge registre pour le cas matériel, là, c'est matériel pour le cas fait travail. Comme ça doit. Magistrat Moïse critiquer tout. Comportement commissaire gouvernement Port-au-Prince qui d'après lui pas décidé d'exécuter ordonnance magistrat Bali pour capable permettre d'étendre tout le monde qui est supposé étendre dans le cadre audition t'a supposé faire dans le mort Montferrier d'Orval là en côté juge Jean-William Moïse dans micro Blaise Peterson. Bon, nous considérons comme étant une menace pour la sécurité du magistrat et nous considérons toujours comme une menace à la vie même du magistrat. Parce que nous considérons que le magistrat machine est écrasé l'année dernière. En décembre, il était bien obligé de quitter Caillou en pleine nuit pour être capable d'aller chercher sa sécurité ailleurs. Alors que le magistrat n'a pas gagné la sécurité nécessaire qui pouvait permettre qu'il était capable de mener à bien l'instruction au dossier aussi important. Voilà que le magistrat, les fait bail, le ensemble d'ordonnances au commissaire du gouvernement pour l'exécuter, et le commissaire du gouvernement choisit pas exécuter ordonnance. Donc, nous comprenons que c'est pas une coïncidence. Nous comprenons ça, il cadre un plan d'intimidation, une menace, qui vous fait magistrat et enregistrant, courir quitter le CIA, et non seulement pour courir quitter le CIA, et pour faire en sorte que aussi, que les autorités de ce pays, qui ont même bien intérêt dans le CIA, capable de choisir juge Bayo, peut-être ça y est le juge de l'équipe là, qui lui-même capable de blanchir tout le monde qui t'a gagné pour le bagage dans le CIA. Nous sommes tous ensemble, nous avons même demandé avec CSPJ pour travailler avec magistrat ensemble de qui demande CSPJ ensemble de l'accompagnement matériel, surtout pour mener de ces ça. Est-ce que nous n'avons pas de CSPJ? Moi, nous toujours continuer à demander à CSPJ ensemble de matériel qui vous permettre que nous, magistrats, aient fait travailler. Gagner bagage que CSPJ baille déjà. Mais il y a de l'autre qui était dit à plein de prochains budgets. Donc, entre-temps, le magistrat continue à faire son travail avec les moyens du bord, avec les mêmes ressources que le GR, mais on a la changé de cap. Voilà l'autre information. L'un de ce côté, déclaration président Anama, juge Jean-Willer Morin. Le point d'actualité, c'est concernant confrère journaliste, non photojournaliste Genali Ushiri, qui obligé de quitter le pays là par rapport avec menace après ses voix bon côté, ou ensemble de groupes armés en pays. En côté, nous songez, situation, ça, on l'est qui a développé sous Tayopoa, photojournaliste Genali Ushiri, qui est même présenté unique photojournaliste, qui était là, qui était prend image, hein, comment nèg armé au tabou, quand t'écoutes bas sous Tayopoa, mais depuis après, après, image ça faut tout ça que journaliste photojournaliste a lui-même t'a gagné t'a prend dans quatre travail il a bien dire mais depuis là ça lui apprécie voir une série menace talentueux photojournaliste journal Lio Chéri qui décidait lui-même baïva quitter pays alors baïva c'est quitter pays il voyager a bien dire quitter pays aller à vivre à l'étranger c'est pas mourir le mot dit bien mais décision ça venir suite avec menace que l'apprécie voir après elle t'est fini j'en dis à tes témoins dans quatre cavaliers comme journaliste et photojournaliste pour être capable qu'une image que un bien nec armé qui t'a boucan t'écoute zame sous ta yopoan et dans quatre cavaliers journaliste agence américaine société de Preston qui t'a fait objet ou ensemble menace cap sorti beaucoup de plusieurs chefs gang dans région métropolitaine Port-au-Prince mais lauréat prix Robert Capa 2021 mais li nan indivisible dit vendu li c'est si vendu dernier temps cap chercher qu'on est qui est-ce qui
Dional et Chérian et pour chercher contre qui côté il était famille pour capable commettre un ensemble de vie action sous lit après elle témoin plusieurs exactions et bien côté nèg même Genève en famille avec allié t'a fait des séries d'actions sur route aéroport depuis les ça journaliste photographe là lui-même trouvait une situation très difficile il était seul reporter photographe haïtien qui était prend image qui était témoin moment nèg t'a fait action ça sous date qui était 17 mars 2021 en saut aéroport côté policier structuré qui nommait tête photo 69 a tap défilé et frustration qui a craché colère sous aéroport et dans moment t'es gain pile action sur ça t'es gain machine maison t'es cassé l'autre bois en pile parole t'es dit concernant ça mais depuis après et photo ça que journaliste lui-même journaliste chéri lui-même t'es présenté fait dans quatre travail li depuis là ça nèg bandi armé yo a veiller li côté le mettait pied li pour capable éteindre la ville mais par rapport avec situation ça li obligé quitter pays avec famille parce que la presse va trop menaçant n'a petite parole là Jean Lia moi t'ai ouais en pile monde a courir sac prend balle sac mouri sous place moi t'ai ouais tout plusieurs nek exam cap traîner cadavre traversé la rue pendant temps ça moi continuer prendre photo c'est ça Dinal lui-même expliquer et ça Dinal expliquer à lui-même c'est pas lui-même qui inventé c'est ça qui t'a passé là c'est lui-même comme journaliste comme reporter photographe journaliste qui était ouais il rapporté mais depuis après ça situation vient très compliquée et association journaliste haïtien AJAS qui lui-même est condamné ça par rapport avec menace confrère journaliste après ses voix et association journaliste haïtien qui demandé avec autorité concernée pour capable prendre responsabilité ça par rapport avec la situation sans menace je dis à la travail la pression qui pas qu'a fait travail à cause soit nek armé qui eux même qu'a fait menace ou bien tout autorité dans pouvoir qui empile des fois quand empêcher journaliste fait travail surtout agent l'audio les gains sans les séries mouvement qu'a fait dans la ria contre pouvoir en place non. Dossier coronavirus, plusieurs sources d'informations confirmées parmi le nouveliste, ancien président Jean-Bertrand Aristide testé positif. Donc, coronavirus, c'est une démarche qui t'a faite pour quitter le pays. Jusqu'à présent, aucune source à bon côté formule Laval a refusé confirmer, même si nous pas mettez une note officielle dehors pour capable de démentir information ça. Porte-parole parti, un jour de son dirogène fait qu'on est, c'est vrai, l'idée parti à malade, gué médecin cap bal soin, non moment, mais pourquoi on m'a pour le dire si c'est à cause à COVID-19, pour devoir patient préciser ta santé ancien prêtre Saint Jean Bosco stable en côté l'amico Jean-Philippe Massé. Moi pas connais effectivement que docteur Jonathan est comme maladie de souffre, mais on va d'accord avec que les médecins, c'est eux-mêmes qui sont capables de donner des termes médicaux pour que vous soyez capable d'expliquer ce souffrant qui sa complication et qui sa. Et nous-mêmes, nous l'avons observé. Et moi-même, les informations que nous avons transmises, c'est que nous autorisé pour alimenter l'alerte au territoire là, c'est que, et dans le moment où nous avons parlé là, le président Aristide, sous le peuple haïtien, et l'idée historique du peuple haïtien, je vous dis, lui, est compatiblement avec vous, monter qu'a fait, les monde qui a fait ce live, etc. Ce n'est pas ça qui est arrivé. L'important, ce qui est important dans le sens, c'est que, eh bien, et en tout le monde, qui était moi-même, moi, contrôlé déjà, moi, que je passais dans 2000 appels. Ça veut dire que, et l'autre, dit, ça m'a beau rapport, moi-même, les journalistes, on va pas préciser que, je n'ai pas gagné, monde qui pose organisation politique de la balade, qui n'a pas gagné monde qui pose de la régie qui est formée. Et Donald va être finalisé. Donc, il y a une information qui dit que c'est le même monde dans le gouvernement. Ça veut dire que nous comprenons. Et même qui autorise pour que vous parliez dans le non-représentant national, parce que on dit que le représentant national de l'organisation politique de la balade, et nous-mêmes, nous comprenons la parole, ouais. Et dit société là, que dans le moment où on a parlé là, c'est une santé président qui est stable, mais qui est un ensemble de médecins qualifiés, compétents. Jusqu'à présent, on a parlé avec vous là, et c'est pas où il a fait ça, et moi-même, je n'ai pas dit ça. Et moi, pensé, et quelques jours après l'intervention, moi, pensé, et je ne sais pas, pas bio, quand il a délégué, maintenant, des tests à eux pour capable eux-mêmes, en bilan de santé, et eux-mêmes comme. Et écoutez bien, nous sommes joués au Cap. Au Cap, dans la période de campagne, nous n'avons pas de rien. Et d'un coup, nous sommes des actes passés.
Ce causé passeport en Niger, ça pour réseau humanitaire, Jean-Bertrand Aristide Lant a bénéficié d'un même pouvoir de Kalea. Jean-Tson Dirogène n'a pas trop voulu réagir sous ça. L'isolement rappelé, tout haïtien a droit à un passeport pour le voyager dans n'importe circonstance. En côté, Jean-Tson Dirogène, toujours dans mes collaborateurs, nous, Jean-Philippe Massé. Hein. L'autre dossier dans le journal là, après sorti accord 5 juin, si c'est estricti signataire, accord ça, et après travail pour mettre sous pied commission qui a gagné pour choisir pour le ministre qui a venu diriger transition, hein. Une n'importe quoi en entente nationale pour couper fâché à Delson, si oui, ça fait qu'on est tout, il a continué à concerter avec l'autre acteur dans la vie nationale à bouger une unité dans la société à, pour capable chavirer pouvoir, nous coûter Delson Sius. Donc après accord 5 juin, nous tant de feedback yo, parce que c'est un accord et après plusieurs journées de travail, côté que ensemble d'acteurs signataires de l'accord, ça a eu arrivé, entendre yo son proposition politique, son accord politique pour en sortir de crise. Maintenant nous en phase jeudi à pour nous garder comment pour nous monter CMOA, parce que le premier élément basique même fondamental de l'accord, c'est arriver monter une structure qui a bien des représentants commission pour la mise en œuvre de l'accord politique, c'est CMOA. Maintenant CMOA a une mission même pour que à travers des propositions qui sont au niveau du secteur politique là et au niveau de la société civile, sous des listes, sous une liste, qui a plusieurs propositions pour que yo choisisse un premier ministre, et c'est premier ministre ça qui peut faire office de président, tout parce que c'est un exécutif unicéphale nous prenons au niveau de l'accord politique. Donc nous dans stade concertation, nous fait évaluation, nous ramasser ensemble de critiques de la part de l'autre secteur et nous penser qu'il est légitime et fait. Maintenant nous avons des démarches marché contre pour que justement nous arrivions impliquer tout ça nous gêne comme préoccupation, tout ça nous gêne comme de l'idée, et puis pour nous garder dans feuille de route qui peut élaborer pour nous garder ensemble comment pour nous retirer le pays dans la situation malouque que je dis. Parce que l'accord qui a été trouvé entre les 6 entités de l'opposition politique, c'est un accord politique pour nous garder comment pour nous sortir le pays dans l'impasse. Mais nous connaissons crise elle pas seulement politique, et ni sociale, et ni économique, et il y a donc plusieurs enjeux, et c'est ça qui fait feuille de route pour nous élaborer des crises ça. Après la mise en place et du gouvernement de d'entente nationale, Jean-Claude Nankoa, c'est lui-même justement nous penser faut nous travailler pour que nous prenions en compte ensemble de préoccupations de l'autre acteur au niveau du secteur politique et au niveau de la société civile. Donc, voilà, ça c'est Delson Sius, Amen Abdi, Gagné, Popol, OPL, Daniel Siria, Kaki, encore c'est membre d'IOPOD, puisque nous connaissons OPL, mais c'est, c'est DIOPOD, son directoire, qui a dans plusieurs partis politiques parmi OPL Fusion. Eh bien, encore Daniel Siria, lui-même, qui fait qu'on est que, il y a même à travers DIOPOD, il y a toujours Kembe, accord 5 juin, côté, mais pas 6 estitités et signataires à COSA, qui croit que, je dis, eh bien, départ ordonné à l'éclair et yo clair tout yo même yo pas dans causer cohabitation avec le président Jovenel Moïse et pendant le faire comprendre tout l'autre acteur d'opposition qui a fait connaître que yo même n'en dire pas de bien dans l'autre structure d'opposition tard la question passé en battable pour Chita avec pouvoir en place tant pour mettre cap dans le gouvernement d'union nationale ou bien cohabiter avec pouvoir Daniel Siria fait connaître pas gain sa pièce yo pas jamais la question cohabitation avec le président Jovenel Moïse du tout pas avec pouvoir qu'il a.
yo pa jam cohabiter avec un régime PHTK dans tête pays. C'est ça, nous capable di bon côté Daniel Syria qui est même c'est en même temps porte-parole OPL, mais OPL qui c'est yo membre yo inscrit en dedans dire pot là. Gain engagement participation à capacité impact dans tête collègue avec diverses organisations handicapées tant qu'organisation jeunes fils à filles handicapées et d'Haïti et Union Femmes Mobilité Réduite d'Haïti qui organisait deux journées formation pour journalistes 18 à 19 juin et passé à la activité ça qui réalisée dans le cadre d'un projet en communauté pour nous toutes qui pour objectif informer à sensibiliser professionnels la pression sous convention Nations Unies sous droit monde handicapé ou à cas problématique handicap là en Haïti. Johan Garnier, directrice exécutive Impact là, fait qu'on est deux journées formation ça permet aux journalistes gain outils pour réaliser reportage sous situation monde handicapé yo. En côté Johan Garnier nan micro collaborateur nous José Bellamour. Activité ça avec journalistes yo, c'est vraiment pour nous capable engager journalistes yo plus dans travail que y a fait ba yo bon gens outils pour capable faire des reportages qui vraiment inclusif à monde handicapé qui intéressé yo vraiment aborder question droit monde handicapé dans reportage que y a fait qui utiliser un langage qui est inclusif pour pas utiliser un langage qui discriminatoire. Journalistes, on a mis en situation, on travaille sur des reportages pour vraiment nous faire un bon outil. Parce que là, on a parlé de une communauté pour nous tous qui sont dans le projet. Hein? C'est vraiment une communauté côté que chaque citoyen, côté que chaque entité, côté que chaque monde dans le pays, même ils ont pas de responsabilité pour le travail, pour l'inclusion des monde handicapé dans la communauté. Hein? Donc, une communauté pour nous tous, nous pas qu'à gagner si nous pas travailler avec les médias ou avec les journalistes. C'est un projet qui a commencé depuis août 2020. C'est un projet sous 2 ans qui est financé par USAID et donc qui a fini en août 2022. Nous comptons toucher 4 départements pays, qui sont le département l'Ouest, le département Nord, Nord-Est, avec Centre, et nous travaillons avec 8 associations de monde handicapé. Donc, formation, ça a pour être fait aujourd'hui, c'est une association, nous avons lancé un appel d'offres pour que nous avons ciblé seulement l'association de monde handicapé. Syndicat CNE dénoncé un complot cap mariné pour créer institution sous prétexte emploi CNE pas bail résultat. C'est Jules Wildrick, président syndicat, qui démentit information. Ça fait qu'on est employé pas jamais suspendre travail, surtout dans rapatrier matériel CNE qui était nommé particulier dans désencombré l'arrière chaque fois la pluie fine tombée. C'est Jules Wildrick, en dénoncé en même temps, responsable dans MTPTC, qui a fait employé boîte la souffrir. Jusqu'à présent, employé qui était travail dans caravane changement pour qu'on jamais touché, l'imande ministre de MTPTCA pour faire diligence pour capable permettre employé aux jeunes l'agence à un côté séjour Wildrick Namiko Jésus Belamou. Nous dénoncer comme ça, t'as mariné dans l'État pour demander qu'à le CNEA. Donc CNE qui là depuis 1998 qui subit à bas même l'État ça, toute forme de méchanceté. Dans le jour passé au là, à Bonochoa. Qui t'a utilisé pour écraser mon nez, pour le marché, par conférence, tout partout pour demander l'État de la CNE. Et puis, même à Bolotcho, ça, toujours une CNE, une checker chacun des payrolls. Je dis à l'accepter faire job sale pour de trois gouttes, côté la demander pour écraser CNE. Le syndicat CNE a décrété la permanence depuis que nous faisons installer comme président syndicat et équipe carrément. Mais rapatrier matériel tout partout côté Oye. Et c'est là que je dis à côté rapatriement ça, où jouent CNE et bourré matériel qui était l'homme député, ancien député, ancien sénateur, accélérateur qui l'a, ancien directeur départemental, ministre de tout le matériel, nous rapatrier plus de 40 canaux déjà, ça côté l'odeur, bagot l'odeur, pelle, pour pas perdre nos heures, nous rapatrier qu'elle. Mais nous pouvons finir la patrie, bien entendu. Nous pouvons jamais jouer au matériel dans sa rapatrie. Qui n'a même au monde qui dit que c'est loué, c'est loué dans le ciel. Que ce soit dans l'ancien direction passée déjà, que ce soit dans la nouvelle administration passée qui là, nous pouvons jamais dire que le matériel ça, c'est loué, c'est loué dans le ciel. Maintenant, c'est ça, le syndicat prend au sérieux déclaration de faire côté la commande pour craser CNEA. Et puis tout le dit, ce n'est pas présent. Ce n'est pas... Capsule Santé. Une chronique du docteur Jean-Claude Desgranges. Maintenant, nous allons faire place avec le docteur Jean-Claude Desgranges Capoté pour nos capsules santé. Il y a des cancers qui sont liés à la grosseur au monde.
l'homme n'a trop gros, l'homme n'a une obésité, on a des cancers, par exemple, synapsité, cancer du pancréas, cancer de l'estomac, et lié à l'homme n'a un poids très élevé, mais par exemple, cancer du sein, ou mesdames, tout ça, c'est des problèmes que l'homme n'a qu'à développer, et nous avons dit, donc, nous voyons que l'obésité a son gros problème lié, c'est bon joindre, son maladie lié, il faut nous faire effort pour éviter que nous baissions. Qui ça nous capable de faire? Ça, c'est la grosse question. Premièrement, nous sommes capables de dire à côté, bon, à côté de, il y a un pas économique tout, c'est-à-dire, mon qui est obèse, il y a tendance à discriminer, il y a des problèmes de stigmatisation, ou il y a mon qui, même là, avion parfois, on va demander pour mon prendre de place, tout ça. Donc, qui ça nous capable de faire pour éviter que, bah, ça arrive, c'est ça que l'intervention. Obésité, imaginons depuis le monde, petit monde, qui a une obésité, qui a gros. C'est ça, l'obésité infantile. Ok? Et l'obésité de l'enfance là, à petit monde. Ça, le pas être à petit monde, bien, il va entraîner des maladies, donc maladies sucres, diabète. Ok? Il va développer une sorte de tolérance à sucre. Ouais? Après, quand il y a une prévention pour faire pour petit monde, il faut être capable de diminuer. Sucre la caillou, ok, et tu es habitué trop bonheur à des alimentations riches en sucre, ok, depuis un votre moment, pour être capable d'entraîner des déséquilibres. Ensuite, au horaire de travail, parents, quand même, souvent quand moins disponible. Également, parents, pour des raisons professionnelles, ils ont des petits